Promiscuer au chorizo, feuilleté algues tomates. Et ici, nous sommes sur une base de galettes de sarrasin, confiture de tomates et saumon fumé. Bonne dégustation! Donc la petite verrine blanche, elles sont toutes les deux blanches en même temps, mais un petit peu plus plate. Ça va être donc une de la glace à l'huître. Et à côté, au niveau de la muse-bouche, vous êtes sur un panais rôti avec maquereau pickle et émulsion anisée. Au niveau du pain, toujours fabrication Portland, baguette chorizo tradition céréale, seigle et citron confit et le petit beurre qui l'accompagne de monsieur Stéphane Terlet. Donc en fait, c'est un monsieur qui fait son petit beurre à côté de Maël Plestévien dans les Côtes d'Armor. Et vous voyez la couleur, en fait, il travaille avec des vaches du froment du Léon, et ces vaches elles font un lait qui est beaucoup plus riche en bêta-carotène, d'où la couleur jaune, bouton d'or. Bonne dégustation. Madame, donc ravioles de homard breton roquette, mousseline de céleri, bouillon de citronnelle et zeste de main de Bouddha. Et monsieur, donc Saint-Jacques, avec une mousseline de butternut avec compoté de châtaigne, émulsion lard. Bonne dégustation. C'est bien. Moi, je suis pas photogénique, hein, mais non, c'est les gars. Bon, le nouveau restaurant, ça te plaît? Hein? C'est pas mal, hein? Oui, ouais. Plus actuel. Oui, c'est important. J'ai mis les petites cèpes de mon cueilleur. C'est Pascal, hein? Super. Donc, ouais, ici, ça... Il y a les petits jus de veau, avec les pieds de veau, les os de veau. C'est du vrai. Alors je te présente Hidaki, stagiaire japonais, extraordinaire, très grand. Remy, qui est passé dans le cuisine. Même chose, je vais te dire. Remy qui est là depuis combien de mois? Non, de 3 mois. Hein? 3 mois. Donc, ça fait il n'y a pas de 10, ça fait 72. Pierre, notre pâtissier du jour. Et normalement, il est en salle. C'est un serveur. Ça se voit, il est élégant, il est beau, il est... Hein? Christine, normalement, elle est en cuisine, mais là, on l'a mis en salle parce que... J'ai plusieurs casquettes. Ouais, ouais. Bien. Faites découvrir. Ouais. T'as vu le cabillaud? Ah, tranquillement. On le laisse cuire. Au dernier moment, on va se le retourner. La cuisson va être superbe. Super. Si tu veux, il y a une mission pour toi, c'est bien. Super. Et là, deux, ça marche également, Pierre. Et après, c'est toujours intéressant de montrer l'envers du décor. C'est chaud, hein, et voilà, ça va être cuisson. Le dessus il était encore cru, mais là, c'est bien des Saint-Jacques, la cuisson des Saint-Jacques. Oui, oui. Ouais. Bien snacké, bien coloré. Il préserve la blancheur et tout, ouais. Sur les côtés. Alors qu'en dessous, presque, voilà. Presque. Vraiment. Côté, je n'ai pas trouvé qu'il était. Oui. Ça fait goûter. Madame, donc nous vous poêlez avec une mousseline de pommes de terre au chorizo, un jus de veau avec la crème bien sûr de monsieur Stéphane Terlet, avec sur le dessus au niveau légumes, carottes pourbes, pousses de petit pois, topinambours et pousses de et pois gourmands, pardon. Monsieur, donc cabillaud avec une mousseline de coco, lait de coco, citron calamansi, carotte jaune, pousses de petit pois et bien sûr tous les deux des cèpes.
Sans oublier, sur le dessus, la petite feuille d'huître. Connaissez-vous cette feuille? On est d'Algérie. Au niveau des brebis, il va nous rester un brebis des Pyrénées, trésor du berger. Au niveau des chèvres, donc vous êtes sur un caquepitou, un petit chèvre sec de Bourgogne, un chèvre frais à la figue, à côté le Valençay et le sel sur chair. Au niveau des vaches, donc comptez avec 24 mois d'affinage, ici à Mont-d'Or, à côté les poisses, le reblochon, le carré nantais, le camembert, le petit morceau de livaro, le maroilles et celui-ci le pète-mâle. Avec donc les trois derniers qui me restent, ce sera les bretons. Ici, on est sur la tome d'Irel et le Darlet. Les deux là sont de Ruca, à côté de Matignon. Et le petit là, c'est le Timanois, donc le Timadoc Morbihan. Donc l'abbaye sur le Timadoc, c'est magnifique aussi. Ça fait des frais. Avec bien sûr la petite confiture qui l'accompagne. C'est une confiture biologique corse, figues et noix. On attend un tout petit peu qu'il brille sur les côtés, je pense. Et un petit peu, va commencer à dresser. Comment se dresser? Va dresser les ondes, bien sûr. Voilà. Donc encore une fois, quelque chose de très sobre. Tu as l'écume? Ah oui. On met une consommation. Merci bien. Je laisse la caméra. Ça fait 20 ans que je fais des soufflets au restaurant. Et il y a toujours un soufflet sur la carte. Demi-sphère au chocolat, mousse au chocolat, fève de tonka, caramel au beurre salé et glace fève de tonka. Et sur le dessus, une petite écume de chocolat. Et monsieur, donc soufflé mangue, pépite de chocolat, avec sur le dessus, je fais juste une petite incision, tranquillement, sans le faire tomber. Et je prends donc la glace à la noix de coco, et je fais donc un chaud et froid. Bonne dégustation. Merci. Moelleux au chocolat, une madeleine de façon financière et à côté donc le macaron à la framboise.